Dans la lutte contre les kilos en trop, cette autre société a aussi innové. Grâce au CE de cette agence de communication, Kelly Luziol a pu perdre quelques kilos. Elle qui n'a pas forcément le temps d'aller voir un spécialiste. Vous n'avez pas beaucoup de chemin à faire pour aller voir votre diététicien. Non, c'est ce qui est pratique, c'est qu'il est au bureau, quoi. Pour seulement 10 euros la séance, elle confesse ses péchés mignons à ce spécialiste de la gourmandise. Chocolat. Ouais. Belge. D'accord. Avec un cœur de Nutella à l'intérieur. Bon, moi, c'était bon. Irrésistible. Je mangeais comme ma fille, en fait, qui a 12 ans. Et les chocs à pique le matin, les petits nounours, là, les petits oursons le soir. Enfin, c'était... Oui, je mangeais vraiment très mal. Depuis, elle a bouleversé ses habitudes alimentaires. Peugeot, AXA, Danone, aujourd'hui, les entreprises se penchent de plus en plus sur l'assiette de leurs employés. Il y a des études qui ont prouvé effectivement que les entreprises qui mettaient en place des consultations diététiques dans leur entreprise avaient des rendements plus importants puisqu'il y avait des absentéismes moins grands. Et même s'ils se sentent mieux dans leur assiette, il reste toujours les distributeurs et les cantines pour céder à la gourmandise. 70% de tentation et 15% de diététique.